Place 51, l'estation fréquence de la part de Dandy 33. Donc on est le 2 décembre 2017 et c'est parti pour le QSO national du 15-27, section sud-ouest. Pour Dandy 33 qui en s'appelle. Bon, le livreur de pizza n'est pas encore passé. Pour Dandy 33 qui l'en s'appelle. Bon, allez, 73-51, alors 14 Charlie Delta Romeo 7. Fredo, 14 Alpha Romeo 1995, Oscar 62, 14 Mike Sierra 033, et tous les autres qui sont là sur le voie de SDR, ainsi que la Suisse, la Belgique, le Québec aussi, là qui vient faire leur petit tour également. Les 73 Michel, ouais, tu vois, là je m'attendais, là pour le coup, je m'attendais à QRT là, un moment d'ici quelques minutes. J'entends quelque chose dans le casque, mais bon, c'est à peine audible.
les Pyrénées là, qu'on entendrait derrière. Attention Manière de Bigorre, attention Orsay, faites-vous écoute. C'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné, non. Le samedi soir, ils sont tous en train de faire la fête. Oh là là. Ok. Alors attends, je vais lâcher le micro là pour voir un petit peu là, sur le chat. Ouais, 14 Max Terra 033, oui, ça doit être ça. Alors, j'ai entendu quelqu'un se signaler, là, sur le voie de venir, le 7351 de station de la part du 2033 qui était H, Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion, question de bataille. Mais ça passe pas au cuir, hein. Ah, j'ai entendu quelqu'un.
là, je relève la fréquence. Oui, Doudou, les 213-51 tonnes, la part de Dandy 33. Là, je commence à t'entendre, donc tu te rapproches. À peine entendu, hein. je devine derrière, mais c'est tout, pas plus. Ouais, vas-y Michel, reprends, parce que là de mon côté, j'ai rien compris. J'ai entendu tout à l'heure Doudou, bon, c'était monté là pendant quelques secondes, mais là c'est un petit peu retombé, j'arrive pas à le ressortir à nouveau comme il faut. Ouais. Dans le cerveau là, pour se sortir un peu mieux, c'est short, hein. J'arrive pas à comprendre où tu es. Bon, là t'es pas chez toi là, hein. Bon, Michel, je suis quand même de mon côté, hein. Température zéro, là j'ai au cuir. Hein. Et à part le mal, Cyril, l'encar, hein, il est fort. Les amis, Cyril, et ici, il n'y a pas de neige, et il y a du froid. Ah ouais. Et 14 Romeo Flash, Romeo 138, 50 cm. D'habitude, toi, du côté de Marseille, à Chine. Ouais, quoi que je dise ça, mais ils ont eu de la neige à Marseille, hein. Oui, j'arrive à t'entendre, Doudou, mais c'est très très compliqué là de mon côté. Pourtant, j'ai pas spécialement de QRM, mais bon, c'est vraiment trop QRP. Hein. L'antenne, tu l'as dirigée vers le bas pour mieux attraper les ondes de sol. Ah mais il est loin, hein. Ah oui, d'accord.
section 33, là d'ici un quart d'heure, là, un petit quart d'heure, là je vais devoir QRT. Ce que j'aurais à t'amener là sur ton forum, c'est de la marque Equipe. C'est pas compliqué, je vais te mettre le nom sur le chat et tu vas pouvoir faire là, une petite recherche à vite fait là-dessus. Là. Oui, en avant. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement de vaisseau. Des changements? Ah, mais vas-y, on aime bien les changements, nous. Sur Michel, à toi Michel.
le soir, mais c'est vrai que ce soir, par rapport à d'habitude, il y a un bloc de glace qui doit coincer les vies. Mais après, on se prend avec. Le bonsoir et les amitiés quand même. Contrôle, t'as bien copié, mais c'est vrai que bon, faut faire avec la propagation et bon, mais comme tu dis, on fait avec ce que l'on a et on laisse le reste. On va demander à Xavier qui te bricole une Scooby-Doo, hein. Ça va aller beaucoup mieux, tu vas voir. Ah, si. Salut monsieur Ludo, les amitiés. Oui, oui, ça sent très bien, il n'y a pas de soucis. Je vois qu'il y a Sexon aussi sur le chat, Bible 1351, toi Sexon. Et si t'es dans le coin que tu veux rentrer en QSO, vas-y, fonce, hein. N'hésite pas, voilà. Retour Rémi. Oui, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Non, tu es l'arcon, là, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, écoute, ça va te revenir de toute façon. Peut-être par rapport à de la bidouille ou des trucs comme ça, du montage électronique, j'en sais rien. Oui, si. C'était vraiment intéressé pour bidouiller sur un vieux poste là, de ces années-là. J'ai une vieille base, là, une vieille petite base là, de côté. Bon, ça fait en même temps mobile, portable, base. Et si t'as envie de t'exercer dessus, de toute façon, là, elle marche pas. Hein. Donc si t'as envie de t'exercer dessus, je peux toujours te la prêter, quoi. Ah bah c'est sympa, hein, mais ouais, moi j'aurais pas le temps en ce moment. Par contre, garde-la précieusement, parce que ça peut peut-être être un sujet d'étude sympa pour... comme je disais, je lançais l'idée l'autre fois là, sur un salon. Ça peut être rigolo de proposer comme ça des petits ateliers de bidouille ou j'en sais rien. Ça peut apporter un petit peu des choses pour. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses. Après, bon, c'est pareil, il faut avoir les compétences en électronique, mais moi je ne les ai pas, hein, pour bidouiller les postes. J'ai quelques compétences, mais ça va pas non plus très très loin, surtout en radio. Mais bon, ça serait peut-être intéressant d'en parler autour de... Alors moi, j'ai pas un grand réseau de connaissances civistes autour de moi, donc voilà. Mais s'il y a des civistes et que ça intéresserait comme ça de monter un petit atelier pour les gens de passage, pour bricoler, pour expliquer deux, trois trucs, même s'il y a des gamins qui passent, j'en sais rien. Voilà, ça peut être... Bon, je sais pas, je lance ça comme ça, mais... sans être capable non plus trop de suivre plus que ça, mais voilà, ça pourrait être un sujet d'étude, ce poste. Donc garde-le bien précieusement, parce que moi, de toute façon, en ce moment, j'aurais pas le temps d'y regarder, donc voilà. Si. Pour un lot de pièces détachées. Ok, non mais c'est pas pour que tu le remettes en état à tout prix, hein. Non, loin du tout, hein. C'était pour te rendre service, pour que tu puisses bidouiller dedans, quoi, voilà, c'est tout, hein. Parce que bon, tel qu'il est là, de toute façon, s'il est pas, hein, il est complet, on va dire qu'il manque quoi dedans, le bloc à cul et l'antenne télescopique. Mais il y a un branchon derrière pour l'antenne extérieure. Voilà, c'était juste au cas où tu aurais vu te lâcher dessus au niveau du bidouillage, quoi. Voilà, c'est juste dans cet esprit-là, quoi. Ah ok, ça marche, bah, je vois l'idée, non, mais pas de problème, hein, mais bon, voilà, je... Bah, en ce moment, j'ai mis la place ni le temps, voilà, donc garde-la bien sous le coude, parce que c'est une très bonne idée, ça, pouvoir expérimenter un petit peu dessus, là, se faire la main, ça peut me plaire, voilà, donc garde-la. En toute façon, je connais ton côté collectionneur. Je sais que le machin, il n'est pas prêt de partir de chez toi, quoi. À moins que tu quittes
radio, quoi. Ah, si. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres personnes dans le QSO. On va peut-être laisser un petit blanc si les autres stations veulent rentrer. Puis après, t'as qu'à reprendre. Il n'y a pas de problème. Allez-y, les stations qui sont derrière, c'est à vous. Retour Ludovic. Sur Hachis,